LVED, on est à la capitale. Non, c'était pas ça le truc. Il y avait une émission qui s'appelait Capitale, c'était pas ça. Ah oui, on était à la table ronde. On a visité toute la table ronde, donc qui est voilà ici. Qui est complètement la table ronde qu'on a, qui est notre lobby en fait, et ben elle est ici. Sauf que cette table ronde là, et ben y a personne. Et on comprend peut-être un petit peu que. Que voilà, il s'est passé des que trucs. Que voilà. En fait, je sais plus quelles étaient mes conclusions, mais je comprenais. Oh merde, 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 merde. Attendez, je suis pas prête. Attendez, faut que je rappelle les touches. Ça fait une semaine que j'ai pas joué. Faut que je me rappelle. Oh punaise, il va être trop chiant lui. Puis lui avec l'arc, vas-y, je me mets là. M'en fous, excitez-vous, je m'en tape, je bouge pas. Ok, non mais faut que je me rappelle comment on joue en fait, j'avoue. Je me rappelle plus comment on joue. Parce que ça fait 30 ans, une semaine c'est très long. Faut que je relance un peu le jeu histoire de me souvenir des touches. Mais je me rappelle de rien, moi je pense que je vais aller en YOLO. Et puis tant pis. Comment ça je réapparais là? Oh mais je suis loin! C'était quoi? Oh mais cette ville est immense! Manoir fortifié, rez-de-chaussée, j'étais... Mais non, c'était pas là. Ah c'est là. En part occidental de la capitale, j'étais, c'est ça. Bon retour à Elden, exactement. Je suis chill bib avec un bon BK. C'est quoi un BK? Un BK burger? Oh, je me rappelle plus où j'étais. Non, je vais pas vous faire de mal, je vous aime bien. Je ne vais pas vous faire de mal, promis. Moi j'aime bien, je vous entends chanter, je trouve ça beau. J'ai dit que je vous ferai pas de mal. J'en ai marre qu'on me fasse du mal quand j'ai dit que je fais pas de mal. Ah, Burger King, oui, tout à fait. Évidemment, évidemment. Il y avait lui à tuer. Je l'avais pas fait. On va le faire, hein. Bisous, Christou, bon courage! Oh c'est tout pourri. Ok ok. Non mais je teste. J'avais pas testé de l'affronter. Je vais le faire en mode tranquillou. Pourtant il faut des burgers veggie maintenant. Ah ouais mais c'est que fast food moi j'en mange pas en fait. J'en mange pas. Enfin pas beaucoup. Ça va plutôt être des fois pizza. Mais quand c'est des hamburgers. Je sais pas pourquoi maintenant je supporte plus les trucs comme ça. Et je crois qu'en fait c'est parce qu'on en fait très souvent des maisons avec mon copain. Vu que c'est franchement très simple à faire en soi. Et puis au moins tu choisis tous les ingrédients toi-même et tu les fais cuire comme tu veux quoi. Et du coup bah maintenant moi les hamburgers des trucs comme ça vraiment je... Ça me... Oh j'ai un chenille. Bon, on verra. Je l'ai eu. Ça m'intéresse que... Voilà vraiment j'ai du mal maintenant. Et même les pizzas je commence à devenir chiante. Peut-être parce que bah voilà trop de goûts qui se ressemblent. Trop de trucs... Oui. Ok, tu prends, il est où? Ils ont pas arrêté de chanter en plus, trop bien.
Albert de la Gargouille. Ça marche. J'ai eu. Pizza maison barbecue. Jamais fait au barbecue, mais pizza maison on fait aussi, ouais. On fait aussi. Et on fait moite-moite, en fait. On fait une pizza et la moitié il met ce qu'il veut et la moitié je mets ce que je veux. Comme ça, c'est tranquille. Ouais, je comprends, Grisou, je comprends. Bon, je peux monter là aussi. Mais c'est trop de trucs à faire. C'est beaucoup trop immense, JPP. JP trop paix. Perso, j'y suis allée car comme d'hab, après avoir vu ma nutritionniste, il y a gros écart. Ah ouais? Ça te remotive pas? Ça te... Mais putain, mais la portée de fou quoi. Trop chiant les gars. J'ai gagné que 3000 avec la gargouille trop pourrie. Tu bats tellement plus facilement que moi alors que maintenant je suis plus haut level. Ah ouais? Tu combien moi? Non, tu m'as pas déjà dépassé. Je suis 107 mec. Je suis sûr que t'es pas 107. Aujourd'hui j'ai pas joué, je fais relâche. Prendre du temps pour me poser des questions et comment je respecte pour être efficace. Tu t'es renseigné surtout sur ton... sur les armes que tu devrais avoir pour ton build avant de respecte. Parce que t'avais l'air de l'aimer ton build, donc bon. Avant, voilà. Non, mets un coup vite. Voilà. Bien 7 sur Elden Ring. Mais les levels, c'est 40 en force. Et autres, donc bon. Attends. Ah oui, tu veux dire le. Ouais, t'as trouvé genre une armure ou une arme, un truc comme ça. Je suis encore en tenue de mage. Car j'avais plus avancé là-dedans. Ok, ok, t'as fait mage alors. C'est l'épée ardente qui tire les canons. Qui tire le canon. Ah, le CDP que j'ai. Non, l'épée ardente, je sais pas ce que c'est. Je m'en rappelle pas. Sont moins pétés que toi. Mais bon, je me balade souvent. Oh, mes armes après... Si elles sont pétées, mais je sais que c'est ce qu'il faut que j'ai. Voilà. Alors si, de loin, c'est vrai. J'ai aussi tous les jours, alors que toi, pas du tout, depuis une semaine. Ouais, c'est vrai. Je fais 10 heures par jour. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je pensais que si je joue un petit peu par-ci, par-là, de manière éparse... Hein. Attendez, c'est quoi ici en fait? Là je suis en haut, au sommet de la capitale on va dire. Mais y a pas de... y a rien. On va regarder hein. Mais épée ardente, j'ai entendu ouais. Une pique assez forte et en gros, l'aspect c'est que tu tires un gros caméa. C'est trop marrant. Ça a l'air cool. J'aime beaucoup l'idée. Mon épée, c'est pour ça que je l'ai prise. On m'a expliqué, non mais t'inquiète pas, quand tu la dégaines, elle tire un truc, tu vas faire que ça. Je fais, j'avoue, je kiffe. Il y a forcément une entrée quelque part. Il y a forcément un passage, il y a une issue, il y a quelque chose. Enfin. Globe hérissé. Bon, d'accord, mais encore. Il n'y a pas d'entrée, c'est juste un bâtiment mais sans entrée, sans rien quoi. Même pas une petite fenêtre, petite interstice quoi. Ah si, là où il y a des sortes de meurtrières. Terrible comme nom pour une petite fenêtre. Hein. 122 ou 124. Ah ouais quand même! Je sais plus. Genre t'avais le même dans cette zone, donc je suis normal on va dire. Ah! Ah c'est ça la level ici? Mais non. Ah je peux pas ouvrir ça, ça doit être après que j'ai battu le boss de la capitale, s'il y a un boss. Ce qui est certainement le cas quand même. Ça me fait penser à la tour...
dans le château de Voile-Orage, c'était ça? Enfin, le château où il y a Godric, là. Et bah, il y a une tour comme ça, j'étais allée bah, jusqu'à la tour, je pouvais rien faire, en fait, il a fallu que j'y retourne une fois avoir vaincu Godric, parce qu'en fait, il y avait son souvenir dedans. Je pense que c'est la même. PNJ dans la zone? Tu dis des sottises. Le jeu, il m'affiche les PNJ tout le temps. Genre là. Il y a le couturier, là. Il y a Bok. Il y a mon pote Bok. J'ai fait le tour, en tout cas. Hein. Nous sommes d'accord. Je cherche le bâton météor. Ah oui! Oh bah ça il est à... Il est à machin là. À Célide ou Kélide. J'ai oublié les emplacements. Bah je sais qu'il est Kélide. C'était pas trop chiant à trouver. C'est dans une sorte de... Tête de marécage je crois. Ton pote bocal. Et les bocals. On va sur tes pas. Bah écoute, j'ai pas vu quoi. Le jeu il m'indique tout le temps les PNJ même quand je les ai pas vus, donc c'est qu'il est pas là tout simplement. Hein. Toi il est peut-être là parce que t'as fait une mission par rapport à lui machin. Moi non. En fait là y en a pas. À moins que ce soit eux, ça c'est des PNJ peut-être. Semblerait pas. Hein. Je vois pas. Ah, lui, c'est peut-être un PNJ. Non, c'est un cadavre. Il est pas là. Voilà. Je m'en doutais. Donc, il me fait revenir sur mes pas pour rien. Mais de toute façon, les PNJ, même si on leur parle pas, ils sont indiqués sur la carte. Donc, voilà. Ça sert à rien de chercher pendant 5 minutes dans une zone un PNJ. Si on l'a pas vu, c'est qu'il y est pas. Je veux dire, si on le voit pas sur la carte, quoi. Ok. Ennemi invisible qui drop des trucs intéressants. Ouais. T'en as plusieurs en fait. C'est le scarabée. T'en as plusieurs. Je peux pas mettre mon cheval ici. Ça m'embête beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'arbre déjà? Franchement j'ai envie. Franchement on va y aller. Ils ont pas indiqué s'ils ont pas encore bougé. Ou que tu leur as pas parlé. Ah non c'est pas vrai ça. Je vais pas savoir du coup. Bah il y est pas. Je le verrai quand je le verrai quoi. Non, moi, c'est comme ça que je sais s'il y a des PNJ dans la zone. Même si je leur parle pas, juste bah je les vois comme ça. Typiquement les vieilles. Elles sont là tout le temps, elles bougent jamais. Et ben souvent je leur parle parce que je les vois sur la carte et je fais ah bah je l'avais pas vu celle-là. On va lui parler, tu viendrais jamais ici en fait. Bah il est pas là. Tout simplement. Je sais pas, voilà. Hein. Après on a pas fait les choses dans le même ordre toi et moi donc c'est pour ça aussi. Je peux pas descendre ici du coup. Je peux pas. Je vais rester dans la zone d'avant. Bah je le verrai avant alors. C'est pas grave. Pas pressé de croiser un PNJ en particulier, je t'avoue, j'ai déjà tellement de trucs à faire dans cette capitale. Je passe mon temps à me disperser et je vais pas en plus me barrer. Oh non, je pensais pouvoir passer de l'autre côté, je peux pas. Bon, j'étais là tout à l'heure. Oh non, tu dégages. Les ennemis, là, tu fermes leur bulle, ça a l'air trop fort. Fermez leur bulle, qu'est-ce que t'appelles leur bulle? Les bulles de musique, là, leurs attaques, tu veux dire? Ou tu parlais d'une armure, genre truc bulle, machin? Ah, ça y est, je peux monter. Un petit fil YouTube. Loot ou rien, alors qu'il avait l'air swaggy. Sûrement un truc là-bas.
ce heal. Ah, tu l'as eu toi, Sam. Non, j'ai plus de mana, putain. Vraiment très peu de vie, cela. Y'a quoi ici? Y'a rien du tout aussi? Y'a petit truc. Oh, non, non, c'est risqué là, je vais tellement tomber. Je vais ici, je vais ici. Le bouquet de la méduse. J'ai même pas eu moi, mon copain il a eu. Je vais farm au début du château. En entrée, j'ai pris à gauche et j'ai farm un boubou. Avec saignement. Ah ouais? Ça existe ça? Des griffes de Wolverine trop fort, saignement. Oh, avec les bulles, il y a des sets à faire. Avec la taxe au sol, ok. Ok, ok, je savais pas. C'est rigolo. Putain, j'ai roulé. J'ai roulé pour éviter cette attaque. Comment je cherche à mort? Oh punaise. Ouais bon c'est un si je dois mettre 3 coups de toute façon. Cette moule j'étais prévue, ça s'appelle... Ça s'appelle simplement une magnifique estimation du terrain. Je savais que ça passerait puisque bah oui effectivement il y a des broches en dessous quoi. Nous les avons tous vues donc ils ok. Ah pardon, je peux rouler, hop. Voilà. Cette survie est fermée là, vous y connaissez rien au jeu, de toute façon, tous les deux. J'ai la tête des citrouilles, en double. T'as la flemme d'aller farmer. Bof. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas eu, moi. Arrête. Arrête de te heal, en fait. C'est sympa ici. Après, je peux monter. Tellement immense, comment tu peux faire, comment tu fais un endroit comme ça où tu peux aller absolument partout aussi immense, comment, quoi, y'a un boss et merde, Godfrey direct, non mais c'est pas le vrai, c'est pas le vrai toi, c'est pas le vrai, t'es un fake Godfrey, tu mytho, j'ai pas du tout de popo, j'ai peur. Easy. Il m'a tué. Ah j'avais déjà 19 000 runes. C'est fou ça. Je vais peut-être me décaler parce que sinon vous voyez pas derrière. Oh mon... On foutait non. Je sais pas. Effigie. Oh me dis pas Rob. Je vais découvrir hein, le boss. Hein. Pas besoin de m'expliquer la strat avant. Vraiment c'est... J'aime bien jouer quand même. TKT is ok. Attendez, je me décale dans l'autre sens. Je me décale. Ça c'est quoi? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, j'ai fait centrer, c'est quoi? Ah c'est bien ça. Je vais mettre là. Ah, juste pour le moment. Comme ça, je gêne rien en bas de l'écran. Godfrey de Montmirail. Arrête putain! Merune, merune, merune. Ok. Ok c'est bon j'ai. Ok maintenant je me heal. Je mets le truc. Voilà, c'est bon. Putain.
J'étais pas... Ah, je cherche la merde aussi, là. Oh, vraiment, il prend vraiment très cher, par contre. Donc ça... Fake boss. Ah merde, encore un. Encore... Encore 15. Top. C'est chiant. Lui, prends-les, prends-les. T'as fait une bêtise, descend d'ici. Non, mais comme ça, ça vous gêne. Ah non, mais si, ça vous gêne en plus. Je me mets là. J'avais pas remarqué que ça vous gênait, que vous... Enfin, du coup, il y a la vie. Bref, c'est vite limité aussi. Comme pas mal de builds de saignement à haut level. Ah ouais? Vas-y, excite-toi, mon balai steak. Vas-y, c'est bon. Putain, il enchaîne tellement aussi. Tu vois, te voir à l'envers, c'est pas du tout gênant. C'est quoi, c'est, ça s'appelle originalité. Non, mais c'est vrai, c'est gênant. Attendez, je me regarde. Ah, on dirait que c'est pas moi. Oh, je suis trop différente à l'envers, vous trouvez pas? Attendez, mes cheveux à l'envers sont pareils ou pas? Mes cheveux, par contre, à l'envers, ça va. Aidez-moi! Attendez, attendez. Mince, je me trompe, je fais n'importe quoi. Voilà. Au secours! Aidez-moi! On m'a entendu parler, yep! Je suis trop deg! J'ai le sang qui monte au cerveau. Ah! Épuisante. Comment ça, je suis épuisante? Je suis à l'envers, c'est pas ma faute. Ah non. Non, je me remettrai à l'endroit quand j'aurai battu le boss, ok? Elles sont mes runes. Arrête. Oh non, mais please. Ok, attendez, on va faire un petit... Super, comme ça j'ai mis mon shield pour le prendre direct dans la gueule. En vrai, je pourrais le faire que comme ça. Hein. Ça prendrait beaucoup moins de risques. Mais j'aime bien les risques. Ah! Vous voyez, j'aime bien les risques. En plus, je joue à l'envers. C'est risqué. J'ai pas le choix là. C'était facile.
De la frie, s'il te plaît. C'est quoi de la frie? Ah oui, non, tu répondais. Alors, je remets ma cam à l'endroit maintenant. C'est bon. J'évacue. Je vais la mettre ici. Voilà. Ah, ça, hey, ça fait mieux, ça va mieux, hein. Être à l'envers comme ça là. Ça fait mal à la tête, hein. Inverser horizontalement. Voilà. Comme ça, vous verrez mes runes en là. Alors, de quoi vous parliez? Bah le vide alors. Et tu as remarqué que si tu fais de la magie, tu vas la bouteille, rien ne se vide. Si, si, ça se vide bien. Hein. Si, si. J'ai pris une popo de magie. Enfin, après, je sais pas ce que tu disais, mais... Ah, tu veux dire qu'elle reste... La lumière reste dedans? Oui, ça doit être pareil pour les popos comme ça. Hein. On dirait pas qu'elle se vide. Mais en fait, elle se vide quand même. J'ai eu combien du coup? Eh, waouh, 99 000? Non mais sérieux? Ils viennent vachement? Comment t'avais la tête à l'envers? Ah, quand j'avais la tête à l'envers! Effectivement, si j'ouvre une... C'est vrai, si j'ouvrais ma bouteille, ça se vidait pas. Mais c'était parce que... Je suis magique. J'ai 4 emplacements de talisman. Mais c'est dingue ça, putain! Ah, j'avais jamais changé mon truc. Mes attaques chargées, mais on s'en fout de mes attaques chargées là. Faut juste truc qui fasse l'intel là. J'avais un truc pour la magie, c'était quoi? C'était ça. Ça. Franchement, je vais, je vais essayer pour le moment. Et du coup, je crois que c'était ça que je mettais. Non. C'est elle, on a perdu l'ox. Mais non, c'est pas vrai. C'était trop marrant. Je suis juste extrêmement... une extrêmement bonne animatrice, c'est tout. Et vous, vous savez, Po. Ouais, il te fit un emplacement supplémentaire. Mais c'est dingue, ça. Ah oui, l'épaisse est rendue par la fiole. Ça me plaît bien, ça. Moi, en armure lourde, j'ai toujours des talismans portés du poids. Ah oui! Oh, c'est vrai que ça te prend un emplacement pour pas grand chose du coup. Enfin, pour un truc super utile, mais. Du coup, ça te file. Ça te file un bonus juste parce que. Ouais, enfin. Un bonus un peu. Un peu léger, quoi. Pour un, emplacement de talisman. C'est là que c'est la meilleure. Merci! Oh, ça, on le savait. Et du coup, comme ça, vu que t'es en armure lourde et que tu fais un truc pour porter plus, tu peux faire des roulades comme si t'étais en armure moyenne ou légère, c'est ça? Ça te permet de faire ça? Genre des vraies des roulades normales? L'emplacement gâché. Bah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je m'étais dit, moi, que ce serait un emplacement temporaire. Pour un boss où tu vraiment tu prends trop cher, tu vois, et où tu mets ton armure, machin. Mais j'avais pas pensé que, effectivement, pour pas mal de... Enfin, pour certains buts, en tout cas, c'est un truc que tu mettrais tout le temps, quoi. Ah mais c'est de l'eau ici! Je voulais trop y aller. D'aller dans l'eau. Il y a quoi devant? Il y a un mec là? Non mais c'est un mec à tuer. Oh, on s'en fout. Je peux porter une arme lourde à deux mains. Et donc utiliser une arme force par exemple. Et mon build de foie ou un tel. Ah, sans avoir de fatroll. Ah ouais, comme ça tu changes pas ton build. C'est un truc qui te demande... Ok, je comprends, je comprends. C'est pocon ça! Si j'utilise pas ce talisman, c'est impossible, d'accord. Oui, remarque, j'avais... Moi, j'étais obligée de mettre un... Bah, mon masque, là, je crois qu'il me donne de l'intel en plus. Même si maintenant, ça va être bon, je pense. Pour, justement, avoir de l'intel, pour pouvoir mettre mon bâton. Sinon, je peux pas le prendre, mon bâton. Enfin, je peux pas faire les sorts. Avec. Ce qui est dommage. De la graisse sacrée, c'est super! J'ai pécho de la graisse. Oh, là-bas! Un superbe pays. Il y a un autre kiosque. Je perds un talisman, bah oui, hein, c'est clair, je comprends. Tu peux avoir aucun bonus.
de régène, de coups critiques et compagnie à cause de ça. Donc, un emplacement plus, c'est vrai que ça fait beaucoup la diff pour toi, notamment. Je comprends tout à fait, ouais. Je te jure, je disais Pyjax. Oh ! Je puis monter ici ? Non, je peux pas. J'en étais sûre que je pouvais pas. C'est mignon, on dirait un piano. Mais c'est pas un piano. C'est un petit banc, on dirait, qui pendouille. Regardez, il y a plein de, genre de trucs morts, en tout cas. D'êtres vivants, mais qui sont plus vivants. Mais je marche dessus comme ça, sans respect. Et j'avoue que ça me débecte un peu de ma part, quoi. Vraiment, sérieux, ils sont... Enfin, pour la plupart, ils sont morts. Oh, il a l'air fort, lui, en fait. Eh, je vanais, mais... Arrête! Ah, je lui fais moins de dégâts que le boss. Que Godfrey. Mais on va le recroiser, lui, c'est sûr. Oh, me dites pas, j'arrête. Parce que là, j'ai tué que une... Oh, mais j'ai pas utilisé mes trucs. J'ai battu qu'une... On va dire qu'une... Je sais pas... qu'un esprit. J'ai battu son hologramme, quoi. Bénédiction de l'arbre monde, vraiment? Mais je suis ravie, merci, c'est trop sympa. Allez, on va utiliser quand même nos trucs, hein. J'avais oublié. En fait, je me rends compte que je m'adapte de plus en plus aux zones et aux mobs. Oui, mais c'est pas con, hein. J'ai de plus en plus d'âme plus 4 pour que ça coûte rien avec les pierres de forge à volonté. Ah oui, parce que oui, tu t'as vaincu plein de trucs, donc tu peux les acheter. Après, tu fais ça en fonction, ouais, des sensibilités des mobs, quoi. Tu vas essayer d'avoir une arme qui aura tel ou tel truc en fonction du mob, en gros. Ou tu t'adaptes dans un autre sens. Monter le niveau. Bah très bien. Je vais mettre en esprit, encore un peu. Parce que vraiment, je pense que j'ai pas assez de mana. C'est rigolo de monter comme ça. Regardez son âme d'enfant, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu écrit le même truc partout, mais... Il y a un escalier, hein. On peut monter très haut. Je sais pas pour quelle raison on ferait ça, mais on peut. Des fois, quand on fait quelque chose, c'est juste parce qu'on peut le faire. Bah là, c'est... Voilà. J'ai pu monter, alors je l'ai fait. J'avais pas d'autre raison. J'ai passé tout avant-hier à regarder toutes les sorcelleries, toutes les incantations pour voir un petit peu... Ce à côté de quoi je passais. Et j'ai aussi testé toutes les armes que j'ai. Oh, carrément! Ah, c'est bien ça. Ça ferait une belle vue. Je vais attendre de monter. Ça... Ah, mais il y a un autre boss là! Ah, bah là, c'est le vrai Godric. Waouh! C'est Stylax. J'ai un chevalier qui me font tellement galérer. Oui, c'est ce que tu sais que tu m'en parles souvent. Là, ici, c'est beau. Hop. Au cas où j'ai besoin d'une miniature. Bon, souvent je prends le boss, s'il y a un boss. Attendez. Ah! Mouais. Mouais. Oh, c'est sympa ici aussi. Ah! C'est qui ça? C'est qui l'invoque? Mais c'est la nana! Eh, hey, l'invocation, ça peut être la meuf, là! Eh, je la prends ou pas? En vrai, j'ai envie de la prendre. Je prends plus d'invoque, mais elle, c'est la copine, quoi. Oh, je prends l'invoque. Mélina, voilà, c'est Mélina! Oh, on reprend la pote! Tu m'as abandonné, Mélina, je te vois plus jamais! T'as plus rien à battre de moi! Ça y est, t'es avec tes potes, maintenant, t'en fous, quoi. Ça me débecte. On la prend pas. Ah, c'est vrai qu'il y a double HP des boss, c'est vrai, les incantations. Bah, c'est... Eh ben, voilà, hein. Oh.
What is thy business with these three? Frustre sans éclat. Ah, Godric the Golden. Godric le Doré. Attendez, je me très grave. The twin prodigies. Les jumeaux prodiges, Michaela et Milenia. General Radahn. Le général Radahn. Praetor Rikard. Le Praetor Rikard. Luna Princess. La princesse Lune Rani. C'est tous les boss. Bon, on n'a pas fait Rikard encore. Willful traitors. Abject de traître, tous autant qu'ils sont. Être rapide et dangereux avec sa canne, mais quel enfoiré. Vous êtes tous de la même engeance. Un côté Godric lui aussi, hein. Vu sa tronche. Les malandrins poussés par l'ambition qui les anime. Oh, l'épée, elle est trop belle. Que ces mots soient gravés sur ta pitoyable sépulture. Elle est trop belle, son épée. Sigil, imbécile, qui crut pouvoir défier Morgoth, dernier des rois du monde. Ah! Faut que je mette ma cam. Ok, Morgoth, rien à battre! Attends, je suis pas prête. Attends! Vas-y, Mélina, donne tout ce que t'as. Ouais, tu te déchires, Mélina, t'es trop forte. Ok, c'est bon. Je suis prête. Esquiver. Oh putain! Trop stylé, en vrai c'est trop stylé. Ah! J'ai plus de mana, attends j'arrive Mélina! Vas-y fais des trucs, j'arrive! Bon il a forcément deux phases lui aussi, on le sait maintenant. Faut pas trop s'épuiser maintenant. Putain ta gueule. Ah. Oh non, je veux pas hurler toi aussi hein. Les gars qui hurlent et qui font un wack après j'y pépé moi hein. Non. Oh. Non c'est mauvaise moi. Mauvaise voix. Que c'était le jeu qui parlait, c'est trop bien fait. Ah merci, c'est mon acting ça. Et la Go XLR, mais surtout mon acting qui était dingue quoi. La faute de Mélina, franchement sinon tu passes un travail. Putain Mélina t'as tout niqué, vas-y je t'invoque plus là, tu m'as tout fait, je te déteste. Match d'eau, j'avoue. Hey mec. Je chante comme ça. Même si ça fait pas tant de dégâts que ça. Bâtard, tu m'as jamais fait ça. Non, trop. Non, c'est pas maman. J'improvise. J'ai passé pattern. Je vais faire. Bon, je sais plus de faire les. Franchement, les météorites, la plupart des boss, ça sert à rien. Pas ceux-là, en tout cas. Pas les boss majeurs. Non, maintenant, je le sais. Belle impro. Merci. Je fais ce que je peux, hein. Je vous donne du spectacle, en fait. Je donne du contenu, quoi. Je donne de ma personne, aussi. Que reçois-je? Attends, je récupère. Vas-y, c'est bon. Non, stop, lâche.
Putain, trop tôt. J'ai paniqué. J'ai pas les esquives parce que je vois rien. C'est insupportable. Thoros, ça craint en fait. Mais dans ma description, ça tire. Monstre à toi. Non, non, moi, ça les attire pas à moi. Non, non, c'est juste que si les trois touchent sur un boss, ça et si ça fait ça genre deux fois de suite, ça peut le stun, je crois, un truc comme ça. C'est un truc. Mais il y a des trucs qui attirent aussi. Mais ça je crois... De toute façon, tu reprends l'aggro, hein. Quand tu utilises un truc comme ça, quoi qu'il arrive, peu importe le mob en face... Mais je sais pas si ça les attire, s'il y en a des mobs autour, si ça va les attirer, je le fais tellement tout le temps en mode boss. Merde, je disais le chat. Putain, j'esquive au mauvais moment, ça m'énerve. Allez, je chante. Fais n'importe quoi, mec. Ah, j'ai trop peur. Arrête, arrête, arrête. Merde, trop tôt. Ouh, ça met du saignement, ça. Ah, ah, j'ai pas le temps. Oh, elle chante cette phase. Oh putain, je fais que esquiver. C'est ça en fait, avec Malina c'est plus simple parce que mine de rien elle prenait l'aggro, hein, comme d'hab. Hein. Même quand les BV sont doublés, ça reste pour un caster comme moi plus facile. Mmh. Du coup, si j'ai besoin, c'est soit arc et flèche, soit bâton et pierre d'éclat. Ça consomme pas trop. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que toi t'as à peine augmenté ton intel ou pas du tout, d'accord, du coup. D'accord. Double HP. Ouais, mais pour un caster, en vrai, ça reste moins compliqué. Je trouve. That's why I'm trouving. Bon. Bon. Elles sont super lents. Bon, tant pis. Hein. Au pire, tant pis. Hein. Superbe esquive. Non, mais j'appuie, mais... Ça... Ah oui, d'accord. Merci. Merci le jeu, c'est trop marrant. Petit répit, non? 10 secondes. Putain, l'enchaînement des FDP. Tu prends les invoques? Nope. Tant pis. Hein. C'est sans invoque maintenant. No invoke gameplay. Ça a touché ou pas? Pas vu. Chaque fois, j'essaie d'esquiver au dernier moment, mais j'y arrive pas. Stained by my curse. Such
Non. Professionnel. Merci. C'est juste, j'ai... Merci. Ouais, j'avoue, j'ai voulu le tenter quand même. Bah, j'ai tué Margaret. Bah, dis donc, ça va, on s'est sorti, ça va. Ça va, ça va. Souvenir du roi réprouvé. Au final, jusqu'à présent, ce qui m'aura fait le plus galérer, c'est Ricard dans la tour Poffy. Merci. J'ai Lux. J'ai pu... Je vais enregistrer celui-là pour le baisser parce qu'il est vraiment trop fort. Bon. Et ben voilà. Ah, je peux pas sortir, faut que j'aille là-haut. Ouais, mais à tous les coups, il y a encore un truc, non? Je vais mourir à la fin. Quand t'as esquivé à sa gauche, et du bol, t'avais assez de vie pour prendre juste une baffe. Tout à fait. Et j'ai augmenté ma vie, on voit la diff. Toucher les épines. Oui, mais j'ai peur, là. Épine impénétrable n'accepte personne. Nul ne peut entrer dans l'arbre monde. Ah ouais. Faut que je devienne la reine de l'Elden, faut que j'évacue, vaincu tous les trucs avant alors. Ta sœur à peu près, mais je m'en suis sortie de façon parce que je suis trop strong. Coucou. Hello again, old friend. Allow me a moment. Hello again, old friend. Vous avez réussi à pénétrer dans l'arbre monde, si? Vous n'avez pas réussi. Le repart d'aiguillon vous l'a interdit. Ces épines sont impénétrables. Cette coquille protège l'intégrité de l'arbre monde et rejette le monde extérieur. L'unique moyen de vous tenir devant le cercle d'Elden est de devenir dame d'Elden. Consiste à franchir les épines. Ah oui, pardon. Telle est précisément ma raison d'être, de vous assister dans cette tâche. Aussi, je souhaiterais que nous nous embarquions pour un nouveau voyage, jusqu'à la flamme de la ruine, loin au-dessus des nuages, sur les cimes enneigées des géants. Alors seulement pourrais-je mettre feu à l'arbre monde. Et je puis vous guider sur la voie qui vous conduira au titre de Dame d'Elden. Ok, fameux. Mais je m'en doutais en fait, j'avais déjà pigé, t'étais pas obligé de m'expliquer. Pour une fois. Symbole rouge, s'inscrit sur votre carte. Un de plus. Bonsoir Flo. Salut Silence, hein. J'ai pas eu du tout ça, moi. Je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Montez de niveau. Non, mais t'as pas besoin de me donner ta main. Je fais ça tout seul. Fais pas genre tu me sers à quelque chose, hein. Oh là là, tu donnes trop d'importance. Je vais pouvoir passer à un autre level. Donc on va se casser. Et prendre... Ah non, mais c'est bon, je peux passer à un autre level. Flo Boucival. Oui, bah oui. Parce que Flo, il aime bien mettre toujours sa ville en pseudo. Parle comme une nana du ghetto. Ferme-la, toi. Ah, c'est un boss sur un map qu'il faut faire avant le guerre, je crois. Ok, ok. Eh ben, je vais faire, hein, je vais faire. Ok. Vigreur. Qu'est-ce qu'on fout? On fait encore un peu d'intel ou pas? D'intel, un peu de vie, un peu d'endu. Encore un petit peu d'endu. Et je remettrai l'intel après. faut que je vienne de l'Elden, mais ça je m'en doutais. De toute façon, on a encore un milliard de trucs à faire ici. Mais je suis assez ravie de voir que le boss n'a été qu'une formalité. Que bien des mobs sont moins. Ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros,
les mobs d'ici, je vais plus galérer que ce boss. Mmh. C'est Manny, mon enfant en 78-180. Ma mère est toujours en 78. Trop marrant. 7-8 RPZ ici. Je suis pas née dans le 7-8, mais j'y ai vécu. Merci. Bon, je voudrais pécho ce petit truc là-haut, là, mais comment fais-je? Comment fais-je, hein? Je peux passer là? Absolument pas. Mais t'es à côté, c'est cool, vous êtes célib. Con, MDR, je deck, non mais... oh là là, quelle lourdeur. Un pitou, quoi, t'es... Incroyable. Je peux peut-être pas... Je pourrais peut-être monter plutôt. Ah, c'est pas par ici. Ah si, peut-être là. Si, 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 attendez, si je monte ici. Ça m'emmène où? Ça va me faire tomber là. Ça m'emmène là. C'est sur le plan Hux, ça non. Ah non, c'est bon, apparemment il y a un truc. Ouh là là. Ah, il y a un mob aussi. Il est de dos. Non, mais je voulais faire un truc discret là. J'ai pas des coups. Je voulais faire un crit. J'ai pas fait de crit. Hein. Graisse sacrée. Là, je peux descendre ici aussi. Mais attends, on va visiter le toit. Oh, non, non. Alors, pas de frise quand je suis au bord d'un truc comme ça. Hein. Sérieux, sinon, ça va parter. Hein. Là, je peux descendre, ok. Enfin, monter, mais je pouvais descendre. J'étais déjà là-haut tout à l'heure, je crois. Par contre, là. Il fait quoi si je viens là? Ah, y'a rien. Je pensais qu'il y aurait un truc en dessous. Attends, j'ai réfléchi! Laisse-moi réfléchir! Les mobs, ils m'embêtent! T'as plu! Ah, du loot? Oh, un loot violet! Oh, j'ai leur costume de fleurs! Hein. Attendez, on va regarder ça tout de suite! C'est fantastique ça! C'est une légère, hein! Mais elle est belle celle-là, j'ai la robe d'Alberic. Oh mais bon, elles sont pas terribles. Je vais voir le look que ça... Ah le look. Ah putain. Ah le bouquet dans le dos quoi. J'aime bien. Va rester comme ça un moment. Mais ils ont pas ça. Pourquoi je joue de ça? Oh bordel, j'ai un arbre planté dans la colonne. Oh, je suis tombée. J'arrête pas de faire des crises, vous avez vu? Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Bon, je suis déjà monté là tout à l'heure. On va descendre ici. En fait, comme ça, j'en ai eu un sur un truc où tu vas sans doute grimper. Je dirais quand il sera... J'ai cru que j'allais crever une seconde fois et retourner chercher mes runes. Attends, une seconde fois... Ah, mais en gros, t'étais en train d'aller chercher tes runes, c'est ça? Parce que ça, c'est le pire truc, hein. On le sait tous, mais... Tomber misérablement quand on va chercher des runes. Mais les fleurs, elles peuvent pas être mes poteaux, là, regarde! Mais regarde mon dos, meuf, là! Ou mec, parce que bon, après tout, pourquoi pas. Avec la tête de cochon, je sais que c'est un chat. Mais j'ai d'autres têtes, hein, si vous voulez. On peut se faire un petit total look, hein. Ah ouais, total... Total look de la campagne. Ouais, petit scarabée avec les fleurs derrière. Et regardez, on a un super... Ça fait un super tableau. En plus, les ailes bougent. C'est pas mal, ça. Très bien. Alors, faut savoir que je perds beaucoup en... en tout, là, pour le coup. Ah oui, faire des roulades. Ah, tu roules sur tes fleurs. C'est tout pourri. Ah, j'ai un objet. Viperia. Super. Bah, c'est la fleur qu'on tue, quoi. Ah, par contre, là, un petit loot, ça me plaît bien. I peep my hero, quoi. Tu sais, quand je fais mes roulades, bah, j'abîme mes petites fleurs. Pierre de forge 6. C'est tout ripou.
tout en un truc tout pourri. J'ai celle du champignon par contre, elle est magnifique. Aussi. On dirait un bouquet moisi. Mais oui, j'ai cru comprendre qu'ils en avaient une autre. Mais celle-là, elle est rigolo. Te. Rigolote. Avec ses petites fleurs. Pas bonne, petit silence. Mais qui avait la gueule de bois. Ah, j'avais pas vu. Mais le truc, c'est que là, je peux pas... Je vais peut-être me TP, hein. Moi, j'ai quoi comme ruine? J'ai que dalle, 7000, ça. Pire, si je meurs, c'est pas grave. J'avais pas capté que d'en bas, ils pouvaient m'envoyer des lances. Ah, d'accord! Ah, c'est des mobs qui étaient en bas. Non, mais t'inquiète, faut maîtriser le terrain comme moi. Tu fais des roulades, tu tombes et hop, t'atterris pile poil où il fallait que t'atterrisses, tu vois. C'est la maîtrise, c'est tout. Je vais peut-être aller au sanctuaire de l'arme au monde. Je vais peut-être remonter juste pour voir ce qu'il y a en haut. Vérifier, refaire un petit tour. Et après, on va redescendre. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Vines Monkey ou Venus Monkey. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le follow, c'est très gentil, c'est très doux. Merci. Et je suis montée là. D'accord. Mais oui, ça me fait aller là, mais après, j'ai cet endroit-là où je peux pas aller. Pour le moment. Attendez, et si je regarde, où est-ce que ça va? J'aurais pu me faire très mal. Ah, ça va là-haut. Donc, faut que je trouve un moyen d'aller sur la... Sur les hauteurs, là. Sur la petite, je sais pas... Truc. Sur le balcon. La mezzanine, je ne sais. Et je peux pas avec ça alors. Ici ça me fait pas monter. Eh peut-être un peu hein. Non non c'est trop droit. C'est pas ça la solution Lox. Bon non. Je vais trouver. Mais je vais visiter ici. Ah il y a un ascenseur. Ok ok. Mais encore. Pourquoi j'ai eu ? Petite entrée secrète là? Bah évidemment que non! C'est juste un coin très suspect! En deux mots. Mettre ma lumière. Je veux trop monter. Il doit y avoir un passage là. T'es full poison? Pas du tout. Zéro poison en vrai. Ah mais c'est par le toit, évidemment. J'aurais pu y penser plus tôt. Et toi c'est quoi ton build Vines ou Vines? N'hésite pas à me dire si c'est I ou I. Aïe! Mais si, je m'en fous. Ok. Non, non, c'est juste que je viens de looter ces jolis trucs, alors j'ai voulu m'équiper, j'ai voulu avoir un équipement un petit peu, voilà, qui rappelle un petit peu une campagne de printemps, quoi. Ah, il est pas mort. Il est pas mort, il m'emmerde. Arrête. Bordel, mais je voyais sa barre vide, alors je croyais que c'était ok, bah que nenni. C'est trop pas ok du tout, quoi. Bon, je vais pas pouvoir monter ici, on est d'accord. C'est un d'insister, je pense. Faut que je sois en train de monter sur le toit. Et je pense qu'il y a une fenêtre ouverte et je pourrais passer du coup sur cette petite... Sur la rambarde, là au-dessus. Et... Non mais c'est vrai que les insectes ça se noie dans l'eau. Mais je suis pas loin, c'est pas grave. Bah sont où mes runes? Non mais c'est parce que je pensais qu'en fait, ici, c'était du sol comme là. Et que c'était juste une petite barrière. Mais par contre, no joke, elles sont où mes runes? Elles sont...
Ah, sont là-bas. Ah oui, bah oui, logique. non, mon build, c'est astrologue, pardon. C'est full magie intel. Enfin, c'est astrologue, ça va pas dire grand-chose, puisque bon, c'est le choix du début, mais j'ai continué complètement le délire astrologue. Quand t'as fait, t'as des fleurs sur la tête. Mais je viens juste de looter une armure, c'est ça. Le costume de gardien en fleurs, du coup. Et les gardiens, c'est ce cas-là. C'est les gars qui a ici, là. Lui, c'est en... ceux qui a... Voilà, sur les... sur les arbres, mais c'était pas... Ici, on n'avait pas, alors c'était pas le bon exemple. Arrête, 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 arrête de laguer. Je vais m'énerver. Quand je m'énerve, toujours... Je veux monter vraiment là-haut, ça m'énerve de pas savoir comment. Je vais passer à autre chose, hein. Mais voilà, c'est eux, les gardiens. Je crois que c'est lui qui me l'a looté, d'ailleurs. Non, c'est pas lui du tout. Mais lui, il a des fleurs dans le dos. Mais c'est vrai que nous, quand on l'a nous, c'est beaucoup plus joli. Hein. Vous êtes trop nuls. Hein. Voilà, lui, il m'a looté une comme ça. J'ai eu de la chance. Stylé. Mais oui, t'as vu? Alors en vrai, par contre, niveau stats, je crois que ça m'a... Enfin, moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Mais... Moi, j'ai enlevé. Mais je voulais voir... Augmente la puissance curatrice des fioles. Ah, de l'arme pourpre. Ah, ça, je savais pas. Mais réduit grandement la résistance aux dégâts de feu. C'est logique. Raconte que les fleurs pourpres poussant dans le dos marquent la sénescence de leur antique pacte. Ces protecteurs se mueraient-ils en eux-mêmes en arbres? Oh waouh, c'est trop classe. Les gardiens de l'arbre-monde. Ils peuvent peut-être devenir eux-mêmes des arbres-monde. Vu qu'on dirait qu'ils se transforment en arbres. C'est vraiment classe. Bon, je sais pas comment monter sur ce toit-là. Je vais arrêter d'insister, je vais descendre là. Ils sont ici pour être tranquille. Hein. Eux, ils m'énervent. C'est pas mes poteaux. Là, il n'y avait rien. Non. Attends. Bâtard! Non! C'est trop chiant, ça va être chi! C'est des petits Dan. Assis au fond de la scène, tu peux monter. Ah ouais? Mais j'ai pas réussi. En fait, j'ai réussi à monter, mais je vais montrer. Voilà, là. Je vais monter là-haut. Là, il y a une racine, et c'est celle-là qu'il faut que j'atteigne. Parce que sinon, celle-ci, elle me permet pas d'aller là où je veux. Après, peut-être qu'il y a un passage que j'ai pas vu. De toute façon, j'avais que 3000, hein, on s'en fout. Ou 7000. On s'en fout. Voilà, ça me permet de monter là. Voilà, c'est très bien. Ah, mais c'est vrai que d'appuyer ici, j'avoue. Et là, après, franchement, j'ai essayé, on peut pas... J'y arrive pas. Même en montant là, j'y arrive pas. Donc j'imagine qu'il faut que je monte sur cette racine. Hein. Ici, c'est vrai que j'ai pas assez bien fouillé. Enfin, j'ai fouillé, mais je pense que je peux faire mieux. Oh, parce que je suis même pas... En fait, non, j'ai que dalle fouillée, en fait. Ah oui, mais oui, mais je suis couillonne aussi. Ici, il y a une putain de fenêtre. Mais tu peux pas, il y a un mur invisible, oui, c'est ça. C'est bon, hein. Oui. Fantastique, merci. Vous me forcez à revenir sur mes pas, vous avez bien raison. D'abord, vu que je risque de tomber, je vais faire le tour. Pour voir s'il y a des trucs à looter. Genre un petit coffre comme ça, posé, pour moi. Qui m'accueille gentiment et qui m'offre un arc de l'arbre au monde. Ce sera dans ma collecte. Oh! Rosée céleste. Le menu. Attends. Ah, d'accord. Je croyais que. Oui, bah, il se l'est activé. Ok. Maintenant, voilà. Oh là là, c'est quelqu'un! J'ai raté! Mais je savais! Oui, non, le cheval, on peut pas le sortir ici. Dans toute la capitale, on peut pas. C'est bien, match d'eau. Oh, ça va me saouler, ce truc.
Ça va me saouler, je vais pas savoir comment bien sauter. J'ai besoin de sauter, approche-toi. Ouais, j'ai pas vu d'interaction. Pourtant, je t'avais... Ah, j'étais peut-être pas assez proche, remarque. Je vais voir. Ah oui, t'as raison. Principe de l'ordre d'or. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un objet clé, je pense. A donné à un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Mais ouais, mais moi j'ai que des trucs pour les incantations, je veux des trucs pour autre chose. Prendre pour les caresses des servantes jumelles, permettant d'accéder à de nouveaux objets. Oui, il faut que j'y aille, ça fait longtemps que j'ai pas vu les jumelles. Ok, thanks a lot. Force de tips. Info ou un tox, attendez, je vous dis ça tout de suite. Info ou un tox, Airbnb a installé une chambre sous la pyramide du Louvre. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Yo ho ho! Oh, un tox, Lux, est-elle la meilleure? Je marche sur des gens. Ah, mais si, je suis déjà allée là. Il y avait un truc ici. Un tox, ok. Et voilà, j'étais jusqu'à là-haut et puis on a fait ça et voilà et voilà. Ah oui, route de Rold. Et j'ai voilà, un truc à faire là-bas. Trop de choses, hein. Mais bon, bah je pense que là on a fait à peu près toutes les hauteurs de la fin de la capitale. Mais vraiment, dans la capitale même, on a pas fait un milliard de trucs. Donc on va y aller. Je vérifie si je suis pas de petites issues sur les côtés. Du coup, il y a que ça dit qu'à un avis. Info ou un tox, Airbnb a installé une chambre sous la pyramide du Louvre. Je vous laisse encore un petit peu y penser. D'ailleurs, vous avez vu la Joconde? Merci. Merci beaucoup. Très gentil. Merci Grisou. Il est quand même là. Hein. Vous avez vu qu'il y a un mec qui a entarté la Joconde? C'est typo dingue. Corinne, voilà pourquoi il n'était pas où je te disais tout à l'heure. Enfin, mais à culpa, effectivement, il ne bougera pas sans avoir eu ce bévière. Il semble blatter avec lui. Ok. Je sais plus qui c'est. Exactement, t'as tout à fait raison. Elle a dit quoi? C'est vrai qu'il me mute parce qu'il veut pas. Il regarde que le chat pour pas être spoilé. T'as fait niveau sol et sous-sol entier. T'as fait un bout. Je pense que j'ai pas fini, non. La Joconde est minuscule, le tableau, j'étais choqué. Ouais, tout petit. Je suis allée qu'une seule fois au Louvre, j'ai pas trop été voir la Joconde, j'étais voir plutôt d'autres trucs. Mais bon, what the fuck quoi? Entarter un tableau? Faut être bizarre. Bah entarter déjà de base un être humain, faut être bizarre. Je sais pas d'où vient ce délire. Ça vient de certains comiques américains, je pense. Parce qu'en vrai... Ah mais oui, il y avait mes runes ici. Parce qu'en vrai c'est chelou comme réflexe d'utiliser... De la bonne bouffe, hein, des tartes à la crème, quoi. Bon, sélection utilisée, souvent c'est de la merde. Voilà, la tarte à la base, ça défonce un peu niveau bouffe. Pour la foutre dans la tronche de quelqu'un. Dire moi, si je mets quelque chose dans la tronche de quelqu'un que j'aime pas, je lui mets du piment. Je lui mets pas un truc délicieux. Ah, merci, Rizou. Merci. Le prêtre à l'entrée du plateau. Oui, d'accord, je vois. Bah j'irai le voir le gars. J'étais là le voir ouais bah quand je suis rentré dans la zone mais il m'a pas parlé. Enfin il m'a parlé mais il m'a pas dit voilà, j'ai parlé jusqu'à ce qu'il me dise plus rien quoi. Je quel compo? Je suis full Intel. Je suis full Intel donc c'est pas ça mon mais voilà, mais mon armure c'est pas du tout ça, c'est juste que bon là
Elle est jolie. Ah, je sais que je peux mettre un autre sort. Et voilà, tout là-bas, t'as les stats. Donc vraiment, j'ai tout misé sur l'intel et puis j'essaye de compenser un petit peu d'autres trucs. Genre avoir un peu d'esprit, un peu d'endurance pour pas trop galérer à caster. Et au niveau de mes talismans, c'est ça aussi. Ces trucs de l'astrologue. Un truc pour la robustesse machin, je l'avais mis pour un boss et je l'ai gardé. Un truc qui améliore la canalisation des sorts et des incantations et un truc qui me rend un peu plus de mana. Voilà. C'est les poteaux, ils sont trop mignons. Bon, du coup, j'ai buté des trucs ici. J'étais descendue déjà, mais j'avais pas tout fait en bas, mais j'avais pas tout fait en haut non plus. J'ai tout fait nulle part, en fait. J'ai rien fait. Par là, il y a quoi? Ok, on va descendre. Va au pont. Mais j'irai. J'ai mille trucs à faire, c'est pas tranquille. De toute façon, il va me donner des trucs pour les incantations, mais j'en avoir rien à foutre parce qu'il donne des incantations. Et ce connard, il défonce trop. Et façon 10, c'est presque à la fin du jeu. Il me reste un gros bout quand même, je pense. Franchement, il me reste un gros bout. Bah déjà, j'ai un autre gros boss à tuer que j'ai pas fait encore, qui est plutôt dans la map. Je teste là. Et puis j'ai toute une grande zone à faire et je pense qu'il y en a certaines que j'ai pas découvertes aussi, notamment parce qu'il y a une quête PVP à faire, il me semble, non, qui débloque une zone. Ah bah le coprophage, moi, il m'a encore rien donné hein, pour le moment. Et celle de Yeta, je sais plus qui c'est Yeta. Des incantations, c'est la quête à faire qui compte. Bah moi, j'avoue, quand je sais que je vais avoir une récompense dont je me fous, ça me saoule. Mais où la modération est derrière Fernalou? Mais non, il est là, t'inquiète. La quête de Sélène alors que je joue pas mage. Mais oui, je sais même plus ce que je fasse. Sélène, je sais même plus ce qu'il faut que je fasse. Tu m'avais dit ou j'ai oublié? J'ai tout oublié, mec. Ok, bon, ça m'a servi à rien. Je vais me mettre là. La fille aveugle. Est-ce que je l'ai croisée? On m'a dit que oui, je m'en rappelle pas, moi. Alors toi, les runes en récompense, tu t'en fiches? Bah, j'aurai que dalle en runes, comme d'hab. Il y aura que dalle. On connaît hein, les runes qui sont données par autre chose que des boss majeurs. Hein. C'est tout pourri. Hein. Ah, pour 10 000 runes. 10 000 runes, quoi. Mais non, mais tu m'ennuies. Faudrait que je me tire puis que je revienne. J'en ai marre. J'ai vu dans les catacombes, moi. Ou pas encore. Je l'ai pas vu dans les catacombes, moi, ou pas encore? Hein? Je l'ai pas vu dans les catacombes. On dirait que c'est une question, je peux pas te répondre. C'est quoi ici? Seule la régression peut révéler les secrets. Ouais, bah ça me saoule, hein. J'ai compris l'idée. Ok, tu as trouvé un Corinne. Mais oui, mais laissez-moi tranquille, je veux pas le faire maintenant, enfin. J'ai mille trucs à visiter ici. Oh, les impatients, là. Parce que bon, quand je reviendrai là où il est. Et voilà. Ça va faire une quête, il va me demander des trucs, machin. Je vais me lancer dans autre chose. Autant que j'explore tout, je sais pas quoi. Faudrait peut-être que je remette une vraie armure. Aouh. Putain, il prend tellement... Non mais c'est vraiment... Hein. Tous les boss prennent plus cher que lui. Hein. Mmh.
En 5 minutes. Non, laissez-moi tranquille, je le ferai pas maintenant. Vous m'avez saoulé. À me harceler, vous m'avez saoulé. Attention, je t'ai présenté les excuses à la base pour avoir dit oui, je sais, mais là tu me dis d'y aller. Justement, elle est pas à côté. Mais de toute façon, on s'en fout, à côté ou pas à côté, c'est, de la c'est du TP, donc ça, on s'en fiche. Hein. Ça, de toute façon, on s'en fiche. Hein. Ah, il me saoule, lui. Non, mais quoi qu'il arrive, je vais me téléporter, donc qu'il soit à côté ou pas. Il est censé être... là, Corinne, je crois, non? Là. Voilà, il est là, frère Corinne. Mais bon, en vrai, ça change rien. En soi, ça reste loin, enfin... Je vais pas y aller à pied, quoi, donc on s'en fout. Je vais me remettre mon équipement, hein. Celle de chevalier du creuset, parce qu'elle est quand même trop belle. Là où celle-là? J'aime bien la boriforme. Et on va remettre le petit casque, hein. Petite tête de cochon, comme dit Zadie. Tu as avancé sa quête. Oui, non, mais encore une fois, ça change rien. Il est quand même trop loin pour y aller à pied. Donc, en fait, voilà. Comme je dis, vraiment, la distance, ça ne change rien. Hein. Vraiment, vraiment. Une fille de masque d'or et je suis ravie pour lui. C'est chiant. Ils prennent R. Non, bah je me suis trompé de sort, je vais pas faire ça. Trop pourri. Et voilà. Il va encore rien prendre et après ça devrait aller. Ok, super. Rien du tout quoi. Tout ripou. Vous pouvez, pouvez arrêter de me saouler, j'allais dire pouvez me saouler, mais c'est con comme demande. Vous pouvez me saouler s'il vous plaît? Un barman limite. J'ai des potes qui seraient des super barman. Voilà, il est à côté de la reine. Oui, mais faut que j'aille déjà le voir avant. Non. Trop lente, trop lente. Barrière d'or, j'adore. C'est joli comme nom. Une incantation, mais c'est joli, hein. Un légendaire à 5 mètres. Bordel, arrête de spoiler non-stop. Je m'en vais. Ouais, c'est comme tu veux, hein. Mais effectivement, le but, c'est pas de me dire absolument tout ce qui va se passer dans le jeu. C'est un peu dommage, quoi. On a du mal à comprendre, mais effectivement, quand on joue à un jeu, on aime bien quand même avoir un peu de surprise. Après, certaines personnes, non. Mais c'est quand même plus rare. La plupart des gens aiment bien découvrir des trucs, quoi. Sinon, bah, c'est un peu... C'est un peu moins d'intérêt, quand même. Tac, tac, tac. Une heure devant toi à 10 secondes. Putain, arrête de spoiler, c'est trop chiant, mec. Supportable. Si, j'avais pas vu le mur, hein. bon, je vais descendre sur le toit. Voilà, je l'ai fait. Allez. Ah.
grisou. Et trop pipou. Je sais pas, si tu chutes trop, tu meurs. Mmh. Ouais, ouais. Je demande à voir. Voilà, je remets toujours des coups en plus parce que bah, il meurt pas parfois. J'adore. M'énerve, il me faut trop mal. Putain ! Arrête ! Oh, tu saoules ! Avec ton cure-dent, là ? Armée au chevalier Lendel. Il fait tir sur les fenêtres. Je vous demande vraiment ce qui a fondu. Bah moi, je me dis qu'ils ont voulu... qu'il y a une maladie. En fait, je comprends ça, genre il y a une maladie, ils ont voulu... Ou un truc comme ça. Ils ont voulu tout... tout parfaitement fermé, hermétiquement fermé, pour pas que le mal sorte des maisons, genre comme ça. Je sais pas, c'est ce que j'imagine, mais c'est vrai que j'ai pas compris ce qui est arrivé. Et le lore, j'ai beaucoup trop de mal à le suivre et à le comprendre, déjà parce que mes sessions elles sont de plus en plus espacées, donc j'oublie. Et ensuite parce que le jeu est trop long, donc de toute façon on oublie. Enfin trop long, dans le sens il est très long quoi. Et enfin, nous donne pas non plus tant d'informations, quoi. Ouais ! Une petite brochette ! Granitan ! Rune dorée. Ah, c'est bien ça ! Je pensais qu'il me lèverait son boubou avant de me tuer. Il m'a tué, j'y crois pas, ça m'énerve. J'allais dans la cabane du visiteur. Je sais pas, faudrait m'en dire plus. Parce que les noms, je les oublie aussi de fou. Tous. Je vais clairement en faire un perso en seconde session, pas en New Game Plus. Ouais, je pense que ça m'intéresserait plus aussi. Mais est-ce qu'on peut en faire un? Parce que ça me ferait chier de fou de perdre mon autre perso, quoi. Est-ce que le jeu laisse la possibilité ou pas du tout? Je sais pas. Il est sorti par la bite, celui-là. Allez, du haut, mécanique. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Bah après tu peux refaire en New Game Plus dans ce cas là si tu veux qu'il soit au level direct. Parce que t'as tout le lore à refaire en faisant ça. Donc en soi toi ça justement si c'est juste pour le lore, je pense que le New Game Plus t'intéresserait. Comme ça, t'auras un perso au level. Après, bon, effectivement, la difficulté augmente aussi. Donc, c'est vrai que ça peut être chiant. Quoi déjà ça? J'avais fait. Je sais pas ce que ça fait, ça m'énerve.
Bon, je voulais descendre ici, là, et je sais pas comment faire. T'as deux slots de dispo. Ah! Parce que on se... Oula. Ça passait, je m'en doutais un peu. Un mode pour importer des persos. Ok. Parce qu'il y a aussi un mode pour faire un vrai multi coop juste avec quelqu'un. Et on se tâtait à faire ça avec mon frère, mais j'osais pas commencer une partie avec lui en sachant pas si j'allais pouvoir garder celle-là. J'osais même pas cliquer sur nouveau perso. Trop de stress. Je suis solide, tout à fait. En plus, tu es haut level, mais tout le jeu aussi, ouais, c'est vrai. Non, 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 je voulais d'abord esquiver. Du foie séché, super, un petit foie. Ah, rune dorée, c'est quand même plus sympa. Mes ruines, elles sont où? Elles sont là-bas? Ah oui, d'accord. Je suis pas du tout dans le bon truc, quoi. Non. Fermez ta gueule avec ton truc. Arrête. Alors, je me heal d'abord. Really? Et qui est à côté? Parce que j'entends, hein. J'entends en fait, hein. Je sais pas. Tu tes oreilles, hein. Ah, mais c'est toi, mais qui... c'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais chier? Tu vas faire très mal, toi. Ah, t'as peur, hein. Ça recule, hein. Tu fais bien, mec. En sauvegarde, ça se stocke. Là, par exemple, tu peux quitter, faire un nouveau, t'auras deux persos. Ok, d'accord, d'accord. Merci de me l'avoir dit. J'avoue que je n'osais même pas tester. Comme je vous l'ai dit à l'instant. Merci pour l'info. Merci beaucoup, merci beaucoup. Arrête. Pas drôle. Arrête. T'as raté parce que... Ah ouais, mais à chaque fois je me fais avoir... Avant on va aller voir quand même autour. Putain, j'entends encore des pas. Mais j'en peux plus, ils sont trop, t'as raison, ils sont trop nombreux quoi. Beaucoup trop les types. J'ai pas récupéré mes cendres moi, hein. Toujours pas. Je cherche. Qu'est-ce que je dis mes cendres? C'est pas mes cendres, c'est mes runes. Le spam, le harcèlement. Quand tu vas charger, tu peux switch entre les deux saves. Ok, merci beaucoup. C'est lui qui m'avait tué. Ah non, c'était un petit. Il m'est sorti là. Par la bite, celui-là. Merci Sintev. Viens toi. Non, me retue pas, c'était chiant en fait. J'ai été vexée de mourir sur un Bob très 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 mauvais. Merci beaucoup. Bienvenue, merci pour les follow. Ok. Bah ouais. Oula, oulala, attendez, j'ai pas. Ah, ouh. Oh non. Chiant. Chiant. J'ai plus de mana. Allez,
De quoi tu te mêles? Il m'a tué avec son putain de feu! Ça m'énerve! Ah! Ah! Ça a tout de suite, mais je suis plus du tout énervée. Faut vraiment que je me mette un autre feu. Mais j'en trouve pas en fait! Ah, faut que je retape tout ça! Mais y a pas plus proche? Bah non, y'a pas plus proche. On ne lag pas, ça m'énerve. Bon bah je sais pas. Bah... Je sais pas par où je peux passer. Là bien sûr je meurs 100 fois. Oui. Pourtant ça m'arrangerait. Mais oui, mais la parfumeuse, je l'ai vue après, moi. Et ouais, je l'ai vue après. Là, il y a un type, là. Il y a un connard, là. Je déteste, mec. Tiens, j'arrive pas à le tuer. Non, non, non. Lui, il me one-shot à chaque fois. Le jeu, ah oui, si je monte là, ça peut m'aider. Je fais comme ça parce que si je le fais à l'épée, je one shot pas et du coup ils ont le temps de me mettre un coup. Ce qui est quand même un peu relou. Enfin souvent plusieurs du coup, parce qu'il y en a un autre qui arrive dans le dos. Je passe par le site de grâce de tout en haut et prends l'ascenseur. Ah ouais, c'est à cet endroit là. Un tour. Je viens de là. Le sens de l'orientation de la meuf. Magique. Non mais là je m'éloigne là. Alors l'ascenseur. C'est celui-là. Chambre de la reine, l'ascenseur je crois. On va tenter. J'ai marre de me taper tout ça à chaque fois. Ah non, c'est pas du tout chambre de la reine, désolé. Je suis trompée. C'est sanctuaire de l'arbre monde. J'ai l'impression de faire des tours en rond non-stop, mais totalement. Mais non. C'est un GPS, mais complètement. Mais c'est lequel? Attends, tu dis Godfrey? Mais Godfrey, je... Il s'appelle comment? Dis les noms. Bah c'est le pont d'Ival, ascenseur. C'est celui où je suis, là? Ouais? Il est où, l'ascenseur? Il y a un ascenseur? Il est où? Je l'ai pas vu. Ah si, là. Ah oui, là, il y a un ascenseur. Si, t'as raison, wesh. Ok, oui, t'as raison, j'arrive à côté, youpi! Je suis joie. J'avais oublié cet ascenseur. J'ai tellement tout fait dans le désordre, j'ai tellement visité n'importe comment. J'avais oublié qu'il était juste là, celui-là. Ouais! Youpi! L'école est finie. Youpi! Ah, mais il y a lui, là. Non, mais alors, je suis au-dessus, en fait. Ça va être très chiant de... C'est très chiant. Le petit. Oh non, je pensais que ça suffirait, mais que nenni. Il y a le gros chevalier du creuset. Il va être méchant. Il va me faire du mal. Après, je peux descendre sur le toit, peut-être. Non, je peux pas. Bonne nuit, Grisou. Les zoubis. Bon, il a pas le... Voilà, dis-tu, je lui dis bonne nuit. Il a pas le son ni l'image. Je peux me mettre là. Je peux me mettre là. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, là?
Oh là, je meurs pas. Hein. Non, non, je meurs pas. Je suis pas super sereine, mais je meurs pas. Ah, il respawn pas le chevalier du creuset. Ça, c'est cool. Arrête. Eh oui. Ah, je vous ai one shot tout à l'heure, mais là, je vais pas le faire. Mais attends, ils étaient les uns dans les autres là, complètement. M'en fous, ça t'a fait mal. Plus qu'à moi. Ah! Soul. C'est qui me harcèle? Why do you bully me? Rien. Prudence, prudence. L'attaque est trop forte. Ouais, mon attaque spéciale, elle est stylée. Hein. Allez, j'essaie de le tuer normalement. Bon, faudrait que je descende là. On trouvera un moyen tantôt. Tellement justif de tuer par brochette. Franchement, oui, j'avoue, c'est trop cool ça. Quand je peux le faire, bah j'y vais. Elle est où la parfumeuse? Elle est juste là normalement, non? Elle est à côté. Attends, je suis accroupie. Du coup, c'est embêtant. Ah, le buff. Oh, il a rien pris. Ah, j'arrive pas à aller trop loin. Tellement. Je pense qu'elle le buffe pas là. T'inquiète, papou, je m'occupe de toi. J'essaierai même pas de lui faire avec un coup d'épée. Rien à battre. Bon, cette zone là. Voilà, il y avait du loot là. T'as kill fois deux. Pas à ce point-là. Par contre, je suis étonnée. Je me demande si t'as pas un site de grâce plus proche. Mais oui. Je pense aussi, hein. Genre ici ou ici, mais j'ai pas bien visité. Avec un escalier double et raccourci de la zone, tu arrives au tout début en théorie. Tu vas l'avoir, mais je me souviens plus d'où c'est situé. Je vais essayer de faire gaffe. Je pense que c'est peut-être dans un bâtiment du coup. Enfin, ou voilà, je verrai peut-être pas de haut quoi. Du coup, là pour l'avoir, faudrait que je marche là-dessus, non? Je pourrais pas. Parce que on est d'accord que là c'est vachement proche. Enfin, c'est vachement proche, c'est un peu trop loin au contraire. Peut-être que je descende là. Ouais, c'est plutôt ça. Là, je l'ai pas là. Oh, je tente, franchement, je tente. Oui, je l'ai. Et l'âme de pierre. J'ai vu toi. C'est trop deg. Puisse passer au mec. Faut lever plus haut l'arc, hein. 12 heures, va. C'est quoi, ça? J'ai entendu un bruit, là. J'ai entendu un bruit de fou, là. Si c'est. J'ai entendu courir, aussi. Ah, pétasse, dégage.
méchante. J'entends des bruits par contre. Elle me fait des fuck. Regardez, elle est trop vénère, elle me fait des fuck. Je peux pas me voir d'ici, espèce de loseuse. Parce qu'elle a des... Avec tes mille doigts dégueu. Dégueu Didi. Et piment. Ah, petit lag. J'ai peur. On va rester un peu en hauteur. Voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Et voir un peu la zone. Ok. C'est un autre chevet du creuset. Il y a un petit loot. Il y a rien autour. Ok. J'entends. Le loup, le renard, la belette. Mais surtout... Ah, c'est pas un creuset du tout, moi. Je dis des sottises. Je croyais que je peux l'avoir dans le dos. Non mais j'y arrive plus jamais, je vais essayer de l'avoir comme ça plutôt. Je peux aller dans l'eau la main? Eh ben c'était... En fait elle était pas dans l'eau. Mais elle est trop bas. Donc je peux y aller mais c'est un peu risqué. Tu m'as esquivé, je suis un peu deg. Arrête! Aïe! Oh la vache! Oh la vache, comment il fait trop mal! Waouh! En plus j'ai une armure, je crois qu'il me rend plus vulnérable. Mon truc, c'est un truc du creuset, c'est plus vulnérable au feu. Non, rien à voir. Mais sinon, l'eau, dès qu'elle est un peu profonde, on peut pas y aller. Parce que notre perso meurt instantanément dès qu'il est en contact d'une eau ou une nappe à pied. C'est où? C'est là. Bon, je vais tenter ici, alors. Plus où je suis ici. Alors je fais gaffe aux mobs. Ah! C'est grâce auquel je pensais. Ah ok. Mais tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas pris, j'étais un peu loin. Non, c'est pas drôle. Ah putain, j'avais pas vu lui! Et il me bloque de... Mais tu me fais tellement mal, toi, c'est chaud! Voilà. Non, vise-le, lui. Non, putain, allez, j'arrive pas à le taper. Obligé de... Voilà, de faire ça. Ouais, bah c'est peut-être pas forcément worth de passer par là. Putain, ils me font trop mal. Oh, quelle naze. Je vais chier. Non, mais je refais la même. Ah, j'ai bébé. Le temps, je pensais pas. Ensuite, eux. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, faites chier à... Bah, juste à être là, parce que bah, je les vise sans le vouloir. Et du coup, elles sont mes putains de runes. En fait, c'est chiant ici. En fait, passer par là, c'est juste l'enfer. Vu qu'avec leurs arcs, ils peuvent de toute façon te viser de loin. Regardez, j'ai plus rien. J'ai récupéré mes runes. Niveau combien? Je suis niveau 107. Attends, non, plus maintenant. Et salut fan Tito. 110 maintenant. Ah, j'ai fait 3 levels aujourd'hui. Bien. Oh, je peux passer pour pas mourir. Hein. On va voir.
Rien, signe de grâce juste là. Putain, j'y cours. Rien, signe de grâce juste là, j'avais pas vu, sérieux. Ok, nul. Vas-y, j'y dors et je vais aller chercher le reste. Pff, punaise. Homme de Lionel, armure de Lionel, gantelet de Lionel, jambière de Lionel. Mais c'est fantastique ça! Homme mortuaire. Putain, Lionel! C'est un PNJ ça! D'invocation, ok, nickel. Attendez, j'ai l'armure de Lionel quoi! Regardez l'armure, mais ça va être une armure lourde. Mais elle est trop bien en plus! Vas-y, je prends l'armure de Lionel. Ah, c'est bon, je suis toujours légère. Très bien, je suis prête. Mes runes sont là. Et où l'autre? Ah, il est là-bas. Allez! Je m'en doutais de ça. Je me doutais et pourtant j'ai quand même tenté. Alors j'aurais pu l'annuler. Hein. Putain, cap. Je reviens, tu m'excuses. Désolé. Désolé, je suis pas organisée dans ma teuté. Quoi comme build? Je suis full intel. J'ai pris astrologue, j'ai vraiment continué dans la lancée, ce qui veut que j'ai mis assez peu en PV, mais j'ai quand même mis. Hein. Et sinon, j'ai pas du tout de foi. Bah ça, avec l'armure de Lionel, tout est mieux. Oh! Cauchemar dur éprouvé, mais ça a l'air trop bien ça aussi quoi. Je veux du swag moi. Oh là là, mais meilleur casque. Masque porté par les tueurs de réprouvés et affublé de cornes tordues longues et immondes. D'une seule surtout. Augmente la force. Ah. Singe le visage narquois d'un ancien déformé en un sourire cruel. Cette face est sculptée à l'effigie des esprits malfaisants qui hantent les cauchemars des réprouvés. C'est magnifique. C'est vraiment... J'ai pas du tout envie de me gerber dessus. Là, c'est un enchaînement de skins qu'on a qui est quand même assez... Ouais. Assez cohérent, quoi. Les petits walkers là en marchant, mais bah, ça va. Bon, je peux descendre ici. Regardez-moi ça là. Dégage toi. Mince, je vais pas faire ça. Dégage. Lionel Messi. Lionel ou Obélix. Non mais vous... vous êtes vraiment très très en forme ce soir, dis donc. Mais oui, mais moi aussi je voulais esquiver ce truc, il me saoulait trop. Mais ça va. J'ai plus une magie. Vini tes conneries? Non, non. Oh là là, je meurs nullement. Je tiens un truc avant que t'ailles trop loin pour rien. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes de cacher mon plaisir là, je visite. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah je pense que je vais déjà arrêter la VOD avant de continuer. Je vais chercher mes runes d'abord, pas déconner. J'esquive trop bien.
déteste particulièrement, toi, mec. Donc, Corinne, c'est pas grave, ce sera easy pour toi. Attends, franchement, ce serait pas cool de galérer à continuer les souterrains sans l'info. Mais je suis même pas dans les souterrains, là. Hein. Moment long et chiant, le refaire, ce sera encore plus long et chiant. Mais je comprends pas, enfin là, je suis pas dans les souterrains, je suis à la capitale, de quoi tu me parles? De quoi tu parles? Est-ce que je peux AFK ici? Je vais AFK ici et je vais arrêter la VOD. Bisous VOD, à ce plus.